cachette parfaite. Le feu est réparé. Ouais! On va enfin pouvoir jouer. Oui, on va jouer à se déguiser. Si on jouait plutôt à chat. Qui a parlé de jouer? Star Lily. Ah, je crois que j'ai le jeu parfait. On va jouer à cache-cache. Super! Je sais pas trop. Hein? Je me fais prendre à chaque fois qu'on joue à cache-cache. C'est pour ça que tu dois y jouer plus, pour être meilleur. Ouais, d'accord. Souvenez-vous, personne ne va derrière la montagne. Aucun bébé ne s'y est jamais aventuré. Hein? C'est compris! Ah! Interdiction d'aller derrière la montagne! C'est parti! 10. J'arrive! Elle ne trouvera pas ici. Je t'ai vu. Voyons. Recommence. 9, elle ne me trouvera pas. 10. J'arrive! Je t'ai vu. Allez, essaye encore. Elle ne me trouvera jamais ici. Oh, qu'est-ce que ça sent mauvais! Lulu? Je t'ai vu. Oh, toi aussi. C'est pas juste, je ne veux plus jouer, je me fais toujours prendre. Mais tu t'améliores à chaque partie. N'abandonne pas, je suis sûre que tu trouveras la meilleure cachette avec de l'entraînement. D'accord. Comment je vais trouver la cachette parfaite? 3, 4, j'ai une idée. Silence, Tarlulu, tu vas nous faire prendre. Suis-moi, on va se cacher derrière la montagne. Je suis sûre que personne ne nous trouvera. Oh, oui, je sais qu'on quitte la ville et qu'on ne doit pas dépasser les montagnes. Mais je veux trouver la cachette parfaite. Fais-moi confiance, je te dis qu'il ne nous arrivera rien. Moi aussi, je suis fatiguée. Un peu plus loin, on va la trouver, cette super cachette. Regarde, Lulu, la cachette parfaite. Ouais, personne ne nous trouvera ici. Tu vois, aucun danger. C'est très fatigant de jouer à cache-cache. Oh non! On est coincé dans la cachette parfaite! Les bébés ne nous retrouveront jamais! Star Lady! Star Lulu! Je ne vois rien depuis ici. Elles se sont très bien cachées cette fois. Star Lady! Star Lulu! Où peuvent-elles bien être? On ne les trouve pas. Même pas dans les endroits où elles adorent faire la sieste. Et si elles avaient franchi les montagnes? Non, sûrement pas. Tous les bébés savent que c'est interdit. Ils ne nous trouveront jamais. Je suis désolée de t'avoir emmenée. C'est vrai, nos amis finiront par nous retrouver. Merci d'être toujours là pour moi, Star Lulu. Elle est nouvelle, cette constellation? Et elle nous montre quelque chose. Les étoiles nous aident toujours. Elles pointent vers les montagnes. Les montagnes? J'ai peur. Oui, ça fait peur. Mais si Lady est là-bas, nous devons la retrouver. Oui! J'espère qu'elles sont par ici. Il se fait tard. Elles ne sont pas là. Et si elles étaient dans ce trou? Les bébés! C'est bien vous? Oui, on est là. On va te sortir de là. Je t'ai vu. Donne-moi la main. Tu as enfin trouvé la cachette parfaite. Oui. N'empêche que tu as triché. Est-ce que ça va, Star Lulu? Désolée, j'aurais dû t'écouter. Merci pour votre aide. On ne t'abandonnera jamais. On est amis.
super! Ce soir, c'est mon anniversaire! Vous êtes tous invités! Vous allez venir, hein? Bien sûr! Et tu veux qu'on s'occupe du dessert? Génial! Je sais! Et si on lui préparait des cupcakes en forme d'étoiles? Très original! Mais un gâteau marbré, c'est meilleur! Les cupcakes, c'est meilleur! Gâteau marbré! Cupcake! Marbré! Cupcake! Marbré! Peu importe! Chacune va préparer un dessert et on laissera Jojo décider lequel est meilleur! Et ce sera le mien! Non, le mien! On verra bien! Hein? C'est ridicule de se mettre en colère pour ça! Exact! C'est comme si tu me défiais au champ! On sait bien qui gagnerait! Ah oui! Qui? Moi, n'est-ce pas? Voyons voir. J'aime ton timbre de voix et ton côté futuriste, mais c'est moi la meilleure quand il s'agit de chanter. C'est pas vrai, et je peux te le prouver quand tu veux. Ce soir, nous chanterons toutes les deux et Jojo désignera la meilleure, et ce sera moi. Non! Alors là, tu rêves. Une chance que toi et moi, on n'ait aucun talent. Tu imagines? Mes cupcakes vont être délicieux. On fait une bonne équipe tous les deux, non? Je me demande ce que Star Cognier peut bien faire. Si tu allais jeter un œil, mais sans te faire voir. Hein? Mon marbré! Il faut que je recommence. J'espère que Cognier a aussi du mal. Peut-être que tu pourrais l'espionner discrètement, s'il te plaît. La mélodie et l'harmonie. Qu'est-ce qui rime avec harmonie? La la la, hein, la la. Tu t'entraînes? Bien sûr, tu ferais mieux. C'est inutile, parce que je chante mieux. Et ce soir, je le prouverai à tous. Bah, ce n'est que du son. Moi, je sais faire des rimes. Écoute. Je te dirai rien ou tu vas me copier. Copieuse. C'est toi la copieuse. C'est toi qui chantes comme moi et tu verras. Jojo me choisira ce soir. Non, c'est moi. Son gâteau a brûlé? Oh, comme c'est triste. Mais au moins, j'ai de l'avance. Ha! Oh! Non! Il faut que je recommence tout. Et je n'ai plus de farine. Va me chercher de la farine chez Star Cognier sans qu'elle te voie. Elle doit tout recommencer? Youpi! Hein? Hé, c'est ma farine! Va prendre ses œufs. C'est Star Cognier! Va lui prendre ses fraises! Prends son sel! Son beurre! Sa crème! Sa vanille! Vous êtes allés trop loin cette fois. Arrêtez cette compétition. Regardez-les, ils sont épuisés. Désolée, je voulais gagner. Moi aussi. Et le pire, c'est que je n'ai plus de dessert pour l'anniversaire de Jojo. Et moi non plus, et on manque de temps. Ça ira plus vite si vous travaillez à deux. Bonne idée. Et si on combinait nos desserts? Combiner, c'est ce qu'on sait faire de mieux. La 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 la. La 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 la. Alors, tu répètes encore? C'est inutile. Je crois que tu devrais répéter ta danse. Regarde-moi. Oh, le spectacle commence dans 3, 2, 1. Si tu es nerveuse, tu peux abandonner. Moi, nerveuse? C'est moi la meilleure. Oups, pardon. Let me tell you, I've got an amazing style. So I'm gonna show you something you have never heard. Okay, listen to my beautiful voice. Excuse-moi, Daisy, ça ne sert à rien de nous affronter comme ça. Quand on chante toutes les deux, c'est encore mieux. Il nous est arrivé la même chose. En additionnant nos talents, nous avons réalisé un super dessert. Oh, c'est délicieux. C'est le meilleur gâteau et la meilleure chanson. Merci. C'est le plus bel anniversaire de tout l'univers. Alors, qu'est-ce que tu as préféré? Le gâteau ou la chanson? Le gâteau, hein? Non, c'était la chanson. C'était le gâteau. Plein de super aventures. Fly, babies.
Les Star Babies contre les Jumpy Monsters. Cry, cry, babies. Cry, babies, magic tears. Et voilà, avec cet aimant, je peux attraper n'importe quoi. Bonjour, le grand jour est enfin arrivé. Nous célébrons aujourd'hui la traditionnelle course de la planète Tyr, les Stars contre les Jumpy. Yay! Pour l'équipe des Star Babies, Star Tony et Star Ayla. Et du côté des Jumpy, Momo et Jojo. Vous êtes prêts? Oui. En travaillant dur, vous y arriverez. Mais bien sûr, c'est nous les meilleurs et on va gagner. Le public les soutient. C'est normal, on gagne jamais. Tu sais, ça peut changer. Oui, grâce à nos petits pièges. Attention, la course est sur le point de commencer. Tout le monde sur la ligne de départ. Le gagnant de la course devra terminer en premier deux tours de notre grand circuit. Et n'oubliez pas de vous arrêter au stand pour faire vérifier votre véhicule. Top départ dans 3, 2, 1, partez! Et ce sont les Stars qui prennent l'avantage dès le départ. La victoire est dans la poche. Pendant ce temps, l'équipe de Jumpy... Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que c'est rouge. Mais c'était un de nos pièges. Et toi, tu as mangé nos cupcakes. Tout va de travers pour nous. Non, regarde. Allez, Jumpy! Elle nous encourage. Waouh! Waouh! Jumpy! 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 C'est gentil. Attention, Momo, tu ne devrais pas t'arrêter. Oh oui. C'est une course à couper les souffles. Nos pilotes vont bientôt terminer le premier tour. Arrêt au stand pour les réparations. Allez, les autres arrivent déjà. Dépêchez-vous. Tiens, ça pourrait t'aider un peu. Un autre piège? Je te garantis que ça va marcher. Et la course se poursuit. Un effort, c'est le dernier tour. Star Ayla et Star Connie sont toujours en tête dans ce dernier tour. Les Stars doivent affronter un éboulement. On dirait qu'elles n'étaient pas préparées à ça. On ne peut pas en dire autant de Jojo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rien. Prends ça. C'est carrément incroyable. Jojo vient de prendre la tête. C'est la première fois qu'un Jumpy pourrait gagner la course. Jojo vient d'entrer dans la ville. Mais que se passe-t-il? Oh, mais c'est quoi tout ce métal? Ah! Ouf! Bien, on va ralentir un petit peu. Pas besoin d'aller si vite. Oui, c'est de la tarte. On aurait dit que les Jumpy allaient l'emporter. Mais encore une fois, cette année, les Stars ont démontré leur supériorité. Je crois bien que c'est la faute de mon aimant. Je suis désolée. Hé, qu'est-ce qu'il y a? C'est de ma faute. J'ai triché. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'important, c'est de faire de son mieux et de se donner à fond jusqu'au bout. Tu peux le faire, Jojo. Ça y est, c'est réparé. Allez, Jojo, on peut encore gagner. Oh, tu as confiance en moi? Je vais leur prouver qu'on peut gagner sans tricher. Je n'en crois pas mes yeux. Non! Est-ce que ça va? Oui, c'était rien du tout. Félicitations! Tu as fait de ton mieux jusqu'au bout. Tu as un bébé champion! Merci les amis. Je n'y serais jamais arrivée sans votre soutien. Star Magic Team! Hey, les Jumpy, la prochaine fois, je prends le Jumpy Scooter. Et le vainqueur de cette année, Jojo! Youhou! Cry babies, magic tears. Un monde magique, plein de super stars.
dans les dernières épisodes. Je vous ai rassemblés ici parce que l'univers est en danger. Il nous faut une équipe de bébés très talentueux pour aller sur la planète Tyr et découvrir ce qui se passe. Bienvenue sur la planète Tyr. Waouh, l'univers est gigantesque. Regardez, une planète. Waouh, c'est la planète Tyr. Allons-y. Youhou. Oui. Hein? Il était temps. Ah! Oh, c'est haut. Roulez, boulez. Ouais. Waouh. Nous sommes les meilleurs astronautes. J'ai le nez qui gratte. Je peux enlever ma combinaison? Non. On ignore si l'air est respirable ici. Je l'enlève d'abord. Oh non, elle respire plus. C'est une blague. Ouf. Maintenant, on peut retirer nos combinaisons. Oui. Moi, je garde la mienne parce que c'est mon talent. Ah, je peux enfin me gratter le nez. Waouh, j'adore ce ciel rose. Mais où peuvent bien être les bébés sur cette planète? Là, attention, ils pourraient être dangereux. Oh, finalement non. Bonjour. Nous, venir en paix, est-ce que vous parlez notre langue? Youhou! Des nouveaux bébés. Je suis Momo, le transporteur. J'emmène les bébés d'un point A à un point B. Pourquoi vous parlez bizarrement? Vous venez d'où? On vient de la vallée du Biberon, sur une autre planète. Nous sommes venus voir Ayla. Mais une minute. Vous ressemblez beaucoup aux Star Babies. Star Babies? Je vous les présenterai. Mais d'abord, suivez-moi, vous serez étonnés. Ceci est notre capitale. Waouh! Voici mes amis. Eux aussi, ce sont des Jumpy Monsters. Moi, c'est Jojo, je suis le réceptionniste. Et moi, c'est Nunu, je m'occupe de l'entretien des rues. Bienvenue! Et maintenant, je vais vous présenter les Star Babies. Et pour commencer, Star Daisy! Daisy? Moi aussi, je m'appelle Daisy. Hein? Hein? Impossible! Hein? Et tu sais aussi chanter? Oui! Tu sais, je peux chanter à peu près tout. La, la. Oh là là, tu as un talent incroyable! Merci beaucoup, Bissu. Waouh, c'est trop cool! Bonjour, Princesse Ayla, nous avons de la visite. Bienvenue sur la planète Tyr. Oh, et d'ailleurs, Connie, j'aimerais goûter à vos cupcakes au sorbet à la fraise. Oh. Comment vous savez ça? Je connais tous vos talents. Ayla ressemble beaucoup à Elodie. Oui, exact. Nous sommes venus car une chose horrible est arrivée sur notre planète. Les étoiles se sont éteintes. Ah, les Jumpy Monsters ont dû s'amuser dans la tour de contrôle et ont éteint les étoiles. Mais tout est rentré dans l'ordre. C'est l'heure maintenant. Il faut qu'on y aille. Où ça? Il va se passer quoi? Venez, suivez-moi. Ceci est la salle de contrôle. D'ici, on peut voir tout le ciel. À 9h du soir, la nuit tombe partout en même temps. Et nous, on allume les étoiles. If you wish upon a star one day, all your dreams will come to life. If you just look up, they will be your guide. Here at Planet Tyr, our mission is to light up every single star. And when you look up, it will always shine. Let's light up the stars high up in the sky. The whole universe will be shining. C'est donc vous qui allumez les étoiles tous les soirs? En fait, sur notre monde, les étoiles sont très importantes. Car sans elles, on ne saurait pas à quelle heure aller se coucher, ni à qui faire des vœux. On ne savait pas que vous aimiez autant les étoiles. Star Magic Tyr! Waouh! Une nouvelle étoile! Et ça, c'est rien. Vous voulez voir le reste de la planète? Oui! Elles ont réussi! Je savais que je pouvais compter sur leur talent et qu'elles seraient plus brillantes que jamais en équipe.
Dans le dernier épisode, le plus talentueux de la galaxie, prête à découvrir mon nouveau talent. Waouh, astronaute! Mais oui. Je crois qu'on a compris. Un jour, je serai une astronaute. Je montrerai mon talent et je brillerai comme 7 étoiles. Les étoiles dans le ciel! Regardez, elles s'éteignent! Que va-t-il arriver à la planète Tyr? Les étoiles ont disparu. Si les étoiles ne reviennent pas, comment on saura qu'il est l'heure d'aller au lit? Hein? Silence! Cher bébé, je vous ai rassemblés ici parce que l'univers est en danger. Les étoiles ont disparu. Et si elles ne brillaient plus jamais? Elles ont fondu. Peut-être qu'elles n'ont plus d'épines. Il nous faut une équipe de bébés très talentueux pour aller sur la planète Tyr et découvrir ce qui se passe. On a besoin de nos étoiles. La planète Tyr? C'est ma chance de devenir astronaute. Moi? Est-ce que c'est loin? Je vais y aller. Les aliens? Je peux? Ils sont gentils? Ils sont verts? Est-ce qu'ils sentent la fraise? Nous sommes volontaires. Ouais! Super! Nous pourrons leur montrer nos talents. Je chanterai pour les aliens. Je leur ferai des cupcakes. Moi. Et j'explorerai toute la planète en patins. Vous prendrez la fusée de Wendy, mais quelqu'un doit la piloter. Un bébé sans peur qui a tout pour devenir astronaute. Anna, on a besoin de toi. Tu as tout ce qu'il faut pour cette mission. Hein? Moi? Ah! Tout le monde au lit maintenant. Et reposez-vous bien. J'ai beaucoup à vous apprendre. L'entraînement débutera au lever du soleil. Ah! Astronaute, au rapport! Mais il fait un grand nuit. Dans l'espace, il n'y a ni jour, ni nuit. Ou bien si. On s'entraîne. Si dans l'espace tu veux aller, très dur, il faut t'entraîner. Demi-tour. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Alors nous flotterons dans tous les sens. Les bébés, un peu plus de style. Moi aussi, je peux le faire. Je suis douée en pirouette. Zut. Pas la peine d'aller trop haut. Ça suffit pour un essai. T'en fais pas, tu peux le faire. Allez, saute comme on a dit. Et fais un roulé-boulé. Bien, tu maîtrises la partie la plus difficile. Attention, je le comprends plus. Dreamy, il va falloir que tu sautes en roulé-boulé. Ça marchera jamais. Je sais que tu peux le faire, Dreamy. Fais un roulé-boulé. Wow. Formidable. T'as été super. Tout compte fait, devenir astronaute est plus dur que prévu. Oui, tu disais vrai, Anna. Il faut du talent pour devenir astronaute. Presque tant que pour cuisiner. L'entraînement est presque fini. Nous partirons dans l'espace très bientôt. Anna, est-ce que c'est si grand l'espace? Et si on se perdait? On est des bébés. Mais des bébés astronautes. Et en plus, on est plein de talents. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Même si c'est très loin ou qu'il y a des martiens. On va se serrer les coudes. Bon bah, si tu le dis. Est-ce qu'on doit aussi aller? Vous n'allez pas me laisser tomber? Allez vous reposer. On se retrouve à la fusée cet après-midi. La planète Tyr a besoin de nous. Où sont les bébés astronautes? Je ne les vois nulle part. Pas de panique, les bébés, elles vont arriver. Et si elles avaient changé d'avis? Et si on ne voyait plus jamais les étoiles? Les voilà! Enfin, les bébés astronautes arrivent. Et elles sont là pour sauver les étoiles. Bonne chance, les bébés. Saluez la princesse Ayla quand vous arriverez. Que tous les bébés du monde se rassurent. Nous rallierons la planète Tyr et rallumerons les étoiles. On revient très vite. Quoi? Vous vous êtes entraînés et vous voulez venir? On aimerait bien, mais il n'y en a pas de combinaison pour vous. Ce serait dangereux. Ne vous inquiétez pas. On vous ramènera un caillou de la planète Tyr. C'est un petit pas pour un bébé, mais un pas de géant pour le monde des Magic Tyr. 3, 2... Oh!
À suivre. Concours de talent des Cry Babies. Qui sera le bébé le plus talentueux de la galaxie? Eh oui, amis bébés, ce soir, le ciel sera rempli d'étoiles. Bienvenue à la finale de la deuxième édition de Les bébés ont un incroyable talent. Et pour cette édition, nous avons une nouveauté. Cette année, vous pourrez voter de chez vous. Vite, dépêche-toi, ça commence. Qui sera notre nouvelle star? Voici nos finalistes. Connie, notre épatante cuisinière. Rémi, la prodige du patin roulette. Daisy, qui interprétera son dernier tube. Et notre quatrième finaliste, Anna, qui nous a préparé une petite surprise. Une surprise? Mais tu nous as rien dit. Bien sûr, c'est une surprise. Je vais me changer. Prête à découvrir mon nouveau talent? Oh non, et elle, si elle était meilleure que nous? Waouh, astronaute! Et tu vas faire quoi pour gagner? Partir sur une autre planète? Daisy a raison, ce n'est pas un talent. Quand je vais entrer sur scène, vous n'allez pas y croire. Trop génial ton costume! Ça, je le sais. Qui remportera la deuxième édition de notre concours de talent? La réponse est entre vos mains. Votez, parce que celle qui aura le plus de voix l'emportera! Accueillons maintenant notre première candidate. J'enseigne déjà. Bonne chance à toi, Connie. Aujourd'hui, mes cupcakes ne vous laisseront pas de glace, car ils sont garnis de sorbet à fraise. Vous voulez les goûter? Délicieux. Quel talent! Tout comme la candidate suivante. C'est à toi, Dreamy. Montre-nous ton nouveau talent. Wow, Dreamy a énormément de talent. Je vote pour elle. Wow, quelle incroyable performance. Notre prochaine finaliste pourra-t-elle faire mieux? Laissons place à notre reine de la pop, Daisy. Wherever you go, try to never forget to do what you love and always be yourself. Everyone is special, everyone is great, so always be happy for your friend's success. Become any. Mais quel talent! Je vote pour elle. The most important thing is to believe in yourself. Et notre dernière finaliste, la surprise de la soirée. J'en ai de la chair de poule. Anna! Je peux retenir mon souffle pendant plus de 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se rendre malade. Wouah, elle retient son souffle longtemps. J'en serais incapable. Et maintenant, le roulet boulet. Mais oui, mais oui. Je crois qu'on a compris. Mais attendez, j'ai pas fini! J'ai encore des talents d'astronaute à montrer! Ah, je voulais montrer tous mes talents. Ne t'en fais pas, Anna. C'est juste que ton talent est super spécial et qu'ils ne comprennent pas. Peut-être que c'est pas un talent d'être astronaute. Bien sûr que si! C'est toi qui comprends rien! Personne ne me comprend! Oh là là! Le grand feu veut me dire quelque chose. Allez, viens, Léa. On va voir ce qui se passe. Toi d'abord. Connie, Dreamy et Daisy sont nos 3 bébés encore en lice. Découvrons qui est notre gagnante. Un jour, je serai une astronaute. Je montrerai mon talent et je brillerai comme 7 étoiles. Ou comme celle-là. Même l'univers ne croit pas en moi. Quoi? Impossible! Ce n'est jamais arrivé avant. Pour la toute première fois, vous êtes à égalité. Les étoiles! Hein? Je sais, Anna, nous brillons comme des étoiles. Non, les étoiles dans le ciel. Regardez, elles s'éteignent.
ciel a perdu toutes ses étoiles. Que va-t-il arriver à la planète Tyr? À suivre. J'aimerais bien qu'ils soient là. C'est parti! On va emmener les bébés sur mon bateau pirate. Une croisière tropicale pour tous les bébés du monde. Avec une sirène comme guide, pour éviter de me perdre. Allons prévenir Sia! Tout le monde à bord! Sia, on part en croisière dans la baie Tutti Frutti. Tu vas nous y guider? Bien sûr, mais je ne veux pas laisser mon rocher seul trop longtemps. Pourquoi tu ne quittes jamais ton rocher? Parce que c'est un cadeau du volcan. Les volcans n'offrent pas de cadeaux. Un jour, j'ai eu envie de chanter de l'opéra si fort que je l'ai réveillé. Jusqu'à ce que je lui chante une berceuse et qu'il se rendorme. C'est pas vrai! Ouais. Mais d'abord, il m'a offert un cadeau. Il m'a lancé ce rocher pour que je dorme aussi. Touchez-le, il est chaud et doux. Oh! C'est vrai! C'est juste un rocher. Tu as peut-être un peu exagéré, hein? C'est une vraie histoire. Alors prouve-le. Chante de l'opéra? Non, le volcan va se réveiller et c'est très dangereux. Bah, ne t'en fais pas. Tu pourras lui chanter une berceuse pour l'endormir, pas vrai? Ok, comme vous voulez. Dans la mer, j'adore nager avec mes poissons. Tu vois, tout va très bien. Le volcan s'est réveillé. Tout va bien. Sia va le calmer avec une berceuse, pas vrai? Les bébés, j'ai besoin de boire. Attention, il faut que tous les bébés viennent nous aider. On doit vite rendormir le volcan. Les bébés, on a besoin d'aide. On a réveillé le volcan. Allons chercher Sia, elle va le rendormir. C'est juste que Sia a perdu sa voix. Oh oh, on doit trouver un moyen de calmer le volcan. Je sais, j'ai une idée. Ok, on a besoin de quoi? Quelque chose de bon. Dans un grand pot. On va le mettre à l'intérieur du volcan. Les bébés de la vallée. On va nourrir le volcan. Laura, on doit vite partir avec ton bateau. Les chaînes Michel ne viennent pas avec nous? Oui, mais on doit d'abord préparer le bateau et les récupérer plus tard. Ah, alors suivez-moi. Où ai-je laissé le bateau? Les bébés, on doit... Où sont-ils? Mary, prépare tout. On va les chercher. Ils sont là. Allez, Sandy, on va les perdre. Les bébés. Chut, elles arrivent. Dépêche-toi. Où est passé le bateau? Je ne comprends pas. Je l'ai laissé ici. Les bébés, on vous a cherché partout. On ne voulait pas servir de nourriture pour le volcan. De nourriture? On voulait juste faire un smoothie géant. C'est un cadeau pour le volcan. Ouf, hein? Waouh, heureusement. Mary cueille des fruits. Avec votre aide, elle va faire un délicieux smoothie et le volcan se calmera. Il faut juste trouver comment lui donner. Oh, hey, j'ai une idée. Vous devez sauter en même temps. 3, 2, 1, allez-y! Ça ne suffit pas! Et on fait quoi maintenant? Écoutez! J'avais juste besoin de mon infusion. Désolée de ne pas t'avoir cru. C'est pas grave. Maintenant, tu sais que je ne mens jamais. Qu'est-ce qui ne va pas, Laura? Mon bateau, je l'ai perdu. Il a sûrement été détruit par le volcan. Hé, regardez. Dixie! Bien sûr, elle l'a éloigné pour le protéger. Des perroquets qui naviguent, des volcans qui offrent des cadeaux, un smoothie géant. Cette île est fantastique. Revenez vite. On reviendra avec les bébés.
Laura, oh, on a un cadeau pour toi. Oh. Un GPS pour que tu apprennes à t'orienter. Oh. Ah. Ah. La danse du moustique. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour se reposer. J'adore ton rocher. Les bébés, pouvez-vous m'aider? C'est parti. Je ne veux pas rater ça. Ah, Sirenjus pour une journée. Je ne vais pas bouger d'ici. Hein? Va-t'en, petite bestiole. Oh. Enfin. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pied? Arrête de bouger. Oh, et maintenant c'est tout mon corps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'a l'air super. C'est trop gros, Pixie. C'est ça, il ne manque plus qu'un petit détail. Lady est de très bonne humeur. Je ne peux pas m'arrêter. Normal, c'est super entraînant. Hein? Hé, hey, Macon. Non! Ne t'en fais pas, je suis sûre que Pixie va la rapporter. C'est une pirate. Attention à mes coquillages. Hé, hey, ce n'est pas normal que Lady bouge autant. Elle a pris trop de soleil. C'est le meilleur château du monde. Ah, hein? De la danse classique? Oh, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez Lady? Ce n'est pas... C'est le moustique danseur. Hein? Elle va danser sur tous les styles de musique jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Je veux juste me reposer un petit peu. Il faut lui donner la potion miracle tropicale. Aide-moi à trouver les ingrédients, Sandy. Ok. J'ai des algues. Allez! J'ai trouvé de l'eau de coco. Oh, au secours! Il faut l'arrêter. Elle va vers les maisons. Ça y est, je te tiens. Hein? Tu as du talent. Oh, j'ai le tournis. Si on creusait un trou pour que tu ne bouges plus. Hein? N'importe quoi, mais vite. J'arrive. Dépêche-toi, je ne peux plus supporter ça. Le trou est prêt. Maintenant, il faut la mettre dedans. Mais comment? Rien ne l'arrête. Tout ce qu'elle veut, c'est danser le conga. Et voilà. Si on danse le conga, elle nous rejoindra et on la mettra dans le trou. Lady, hey! Conga, hey! La voilà, hey! Encore de la danse? Ça marche! Plus fort! Lady, hey! Conga, hey! La voilà, hey! Lady, hey! Conga, hey! Elle arrive, hey! Oh! On la tient! Tropical Island. Heya, 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 heya. Potion miracle tropicale. Arrête la danse effrénée de Lady. Hein? Lady, tu dois manger la potion. Je vais rester comme ça pour toujours. Non. On va utiliser une ancienne technique infaillible, le lancer de cuillère. Ouvre la bouche. Oh, oh, oh. Je n'y arrive pas. Bien sûr que si, concentre-toi. Hein? Il était temps. Bien joué. Ouais. Youhou. Dieu merci. Merci, vous m'avez sauvée. Maintenant, faisons la fête. Mais si je n'ai pas mon coquillage, comment la fête va commencer? Aucun signe de Pixie ni de la conque. Hein? Mon coquillage. Hein? C'est Pixie et elle est venue avec des amis. Trop cool! Vous êtes venus nous chercher? Vous m'avez manqué aussi.
Tu es la meilleure, Pixie. Que la fête commence. Tropical Magic Tear. Waouh, il est bien plus cool que le mien. Attention. Non. Sauvé. Batterie rechargée à 100%. Non. Dans le dernier épisode. C'est quoi ça? C'est une invitation à une fête? À Tropical Island? Je n'ai pas envie. Bon, si elles ne veulent pas aller à la fête, je vais y aller toute seule. Au revoir, Sienna. Je suis perdue. Sydney est toute seule en pleine mer? Il faut qu'on aille la chercher. Bonjour, je suis Sia. Attention à la vague géante! Oh! Où suis-je? Voyage à Tropical Island, deuxième partie. Est-ce que ça va? Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Quoi? Où suis-je? Qui êtes-vous? Nous sommes les Shiny Shells. Et comment es-tu arrivée ici? Je me souviens. J'ai trouvé une invitation à une fête dans une bouteille. Je le savais, Coraline. Je savais que mes messages dans les bouteilles marcheraient. Ensuite, une vague m'a fait tomber du canoë. Mais une sirène m'a aidée. Sia, la sirène. Haha. Bienvenue à Tropical Island. Je suis Mary. On va te faire visiter l'île. Haha. C'est gentil. Au fait, je m'appelle Sydney. Je suis Coraline. Et voici Sandy. Que la fête commence! Hein? Ah! Un bateau pirate! Ah! C'est toi qui nous vois! Raoul! Ah! Bonjour! Ah! Un perroquet qui parle! Arrêtez-vous ici, les bébés. Arrêtez. Par la barbe de Neptune. Montez à bord, cher bébé d'eau douce. Allons visiter Tropical Island. Tu vas adorer. La forêt de palmiers où nous nous abritons du soleil. Ouh. Voici le volcan. Oh. Et ici, ce sont nos maisons. J'adore cette île. C'est tellement cool. Les maisons, les biberons, absolument tout. J'aimerais que mes amis soient là. Si tu veux, on peut leur envoyer d'autres bouteilles pour qu'elles viennent. Je l'adore. C'est un vrai bateau pirate. Il se conduit comme une voiture? Ha! Pas exactement. Que faisiez-vous au beau milieu de la mer? Fête, amis, île, carte, bouteille. Une île? Une fête? Bien sûr, le Tropical Fest annuel. C'est aujourd'hui. On y va. Ne vous en faites pas. Je vais vous conduire à votre ami. Je connais cette mer comme le fond de ma poche. Par ici. Oups. Et en arrière toutes. Que la fête commence. Oh non, elles ont déjà commencé. Dépêche-toi, Ella. On est en retard. Oh. Les amis, vous êtes là. Je n'en crois pas mes yeux. Maintenant, la fête peut commencer. Tellement inquiète pour toi.
Tu as disparu. C'est juste que vous ne vouliez rien faire du tout. Mais vous m'avez tellement manqué. Tu nous as manqué, toi aussi. Oh, c'est tellement beau. Tropical Magic Tear. Waouh. Oh. Je prends le hamac. Waouh, là, c'est vraiment les vacances. Je ne vous ai pas encore présenté mes amis. Et là, Fancy, Lady, voici les Shiny Shells. Vous allez adorer l'île et vous allez halluciner. J'ai été sauvée par une vraie sirène. Une sirène? Waouh. Bonjour, je m'appelle Sia. À Tropical Island, première partie. Je suis tellement détendue. Un petit peu trop détendue. Et si on se baignait? Vive les vacances! On va nager? On va jouer avec les pagaies? Je vais passer toute la journée allongée à ne rien faire. Rien du tout? On pourrait jouer un peu quand même. Ouais, à ne rien faire. Waouh, j'adore ton maillot de bain. Et celui d'Ella est magnifique. On a aussi des nouveaux maillots de bain. On va se changer, Lady. Ouais. Qu'en pensez-vous, les bébés? Waouh, quel super maillot de bain. Il te va à merveille. Lulu. Il fait chaud, les bébés. Et si on prenait un bain frais? Maintenant? Non, un peu plus tard. Hein? Pourquoi elles ne veulent rien faire? Mais c'est quoi ça? Oh. Ah. C'est une invitation à une fête? Le Tropical Fest annuel? À Tropical Island? Où est-ce que c'est? Waouh! C'est une île en plein milieu de la mer. Eh bien, j'ai envie d'aller à cette fête. Les bébés, j'ai trouvé une bouteille avec une invitation à une fête. Le Tropical Fest à Tropical Island. Tropical Island? Ça n'existe pas. Si, j'ai une carte, regardez. On doit juste aller au-delà de la mer et ensuite tourner un peu à gauche. Oh, je n'ai pas envie. Bon, si elles ne veulent pas aller à la fête, je vais y aller toute seule. C'est décidé. Avec la carte, je vais trouver Tropical Island et rien ne peut m'arrêter. Oups! Absolument rien. Au revoir, Sienna. Merci beaucoup pour ta danse d'adieu. Est-ce que c'est Sydney? Bah, elle reviendra. À quoi ressemblent les bébés sur cette île? Est-ce qu'ils vivent dans les palmiers? Est-ce que c'était par ici ou par là? Oh oh. Je suis perdue. Où est-elle? Où est la carte? Oh oh oh. J'ai perdu la carte. Oh non. Oh non. Ah. Oh. Ah. Quelle belle journée. Et si on prenait une photo souvenir? Et où est Sydney? Je crois l'avoir vue avec le canoë dans l'eau. Elle est partie? Oh oh. Sydney. Sydney, où es-tu? Sienna, est-ce la carte de Tropical Island? Sydney est toute seule en pleine mer? Et sans la carte? Il faut qu'on aille la chercher. On revient bientôt. Ne montez pas sur les hamacs. Un petit peu plus, encore un peu plus. J'aimerais tellement que mes amis soient là pour m'aider. C'est quoi ça? Une nageoire? Un requin? Ah! Oh! Bonjour, bonjour, je suis Sia. Waouh! Une sirène? Une sirène! Je suis Sydney. Désolée de t'avoir fait peur. Que fait un bébé seul à naviguer en pleine mer? Je veux juste aller à la fête de Tropical Island. J'ai reçu une invitation dans une bouteille. Waouh! Les biberons ont parcouru un long chemin.
6 mois. Attends, tu ne peux pas aller aussi vite. 1, 2, 1. Je suis fatiguée. Et si on faisait une petite sieste? Il est tard. Lady, on ne peut pas dormir. Et si Sydney est en danger? Oh non! Une grosse houle arrive. On fait quoi alors? J'ai une idée. Pagayons à travers les vagues. Ouais! Wow! C'est génial! Attention à la vague géante! Dans le dernier épisode, dans chacun des mondes. Et si on formait un groupe? Ouais, je peux jouer de la guitare. Et moi de la batterie. Je peux jouer du piano. Waouh, là elle joue vraiment bien. The Tears, la musique nous rassemble. Deuxième partie. Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write so many songs. We speak the language of emotions. J'adore The Tears. Moi, je les aime encore plus. Pas plus que moi. Non, moi. 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 This is what we do. Music, always there for you. It's time to do music. On a des fans. It's time to get together and sing the friendship song. Music. Hein? Oh! Tu perds le rythme. Mais il y a tellement de bébés. Je croyais que c'était juste une répétition. Ok, ok, le spectacle est fini. Hein? C'est déjà fini? Il n'y a pas de public pendant les répétitions des rockstars. Mais dès qu'on sera prête, on vous préviendra. Et où peut-on regarder votre vidéoclip? Un vidéoclip? Mais on n'a pas de vidéoclip. Pas encore, mais on a presque fini le tournage. Vraiment? Un vidéoclip? Oui, Lizzie, notre vidéoclip. Ah, notre vidéoclip. Salut. Ce n'est pas juste. Je veux encore voir The Tears. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même pas de vidéoclip. Hein? Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ne vous en faites pas, on va tourner rapidement. Oh que oui, on va le faire ensemble. Tout à fait, parce qu'on est The Tears. Ça va vraiment être une énorme surprise. Oui, mais j'aime The Tears bien plus que toi. Non, je les aime plus encore. Moi plus? Non, moi plus. Cet endroit est parfait. Oh, oups. Salut, comment allez-vous, The Tears? Lulu, laisse-nous un peu d'espace. De quoi j'ai l'air? Ok les bébés, vous êtes prêts à tourner le vidéoclip? 1, 2, 3. It's time to get together and sing a friendship song. Music, this is what we do. Ah! Jessie, attention! Ah! Ouf, on l'a échappé belle. Allez les bébés, on recommence. Les vidéos qu'on vient d'enregistrer sont trop cool. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Salut les bébés. Salut. On a besoin de vous. Waouh, ces vidéos sont vraiment géniales. Ouais, ce vidéoclip va avoir du succès. Lady, réveille-toi, on tourne. Hein? It's time to get together and sing the friendship song. Hein? Mais filme-moi aussi. Hé, je veux être dans le cadre aussi. Je me suis coiffée. Laissez-moi de la place. Tout le monde sera dans le vidéoclip. Ne vous en faites pas, les bébés. Oh, oh non! La caméra de Chuchu. Et le vidéoclip, alors? Mais qu'est-ce qu'on va dire aux bébés? On va décevoir nos fans. Hein? Mais c'est le vidéoclip des Outiers. Together we'll write so many songs. Mais comment? Nos fans nous ont filmés en secret. Hein? Ils sont là. Merci les bébés. Le clip que vous avez
préféré est génial. On est fan de vous. On vous aime. C'est le meilleur vidéoclip du monde. Music Magic Team. Quel groupe d'enfer! J'ai hâte de les voir en concert. Smoothie miel réglisse pour ne pas perdre ta voix. Oh, merci Lizzie. Au fait, tu as une très jolie robe. Eh oui, pas vrai? Scarlett l'a faite pour moi. J'ai aussi commandé de nouveaux vêtements et j'ai trop hâte qu'ils arrivent. Ah, Daisy, tu sais, j'ai organisé tous les concerts pour notre grande tournée des mondes. Tu n'es pas excitée? Si, mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais Daisy, tout est sous contrôle. Oh, on est là. On a apporté des cupcakes. Ça sent trop bon. Il est pour toi, Daisy. Il est à la fraise. Mon préféré. Waouh, j'adore ta robe. Elle est trop jolie, incroyable. Oups, désolée. Alors, comme ça, vous allez faire la tournée des mondes? Oui, tout à fait. On va diffuser de la bonne musique dans chacun des mondes. Je veux y aller. On peut venir? Non, 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 non. Daisy est une artiste solo. Allons-y, tu as une répétition. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'elle pourrait jouer quelque chose. Ouais, je peux jouer de la guitare. Et moi de la batterie. Je peux jouer du piano. Voilà. Et si on formait un groupe? Quoi? Vraiment? Ouais. Comme ça, vous pouvez faire la tournée des mondes avec nous. On va devenir célèbres comme toi. Ouais, toutes ensemble. On a un groupe de musique, on a un groupe de musique. Daisy, tu ne sais même pas si elle joue bien. Crois-moi, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va être super. Je m'occupe des instruments. Moi, je m'occupe des vêtements. Je vais faire de la glace pour tout le monde. Et je vais apporter ma trousse de premiers soins. Ouais. Bon, ok, je sens que ça ne va pas marcher. On est presque prête, Lizzie. Narvi nous a aidés avec les décorations. Génial, non? Ouais, on dirait presque un vrai groupe. Mais où sont vos instruments? Vous savez, c'est le plus important. Tout est sous contrôle. Livraison pour Daisy. Merci, Fancy. Juste à temps. Hein? Wow, trop cool. Ils sont super. Tu vois, on a un vrai groupe. Tu en es sûre? Il est temps de répéter. Je viens d'écrire une chanson spéciale. On commence à 3. Prête? 1. Ne partez pas! Allez, on n'est pas si mauvaise! D'abord, j'ai dit qu'on commençait à 3. Et vous devez aussi accorder vos instruments. Comment on fait? Oh, les tons doivent correspondre avec les notes. Ça me plaît. C'est pas mal. Mais
Quel est le nom de votre groupe? Hein? Les toutous dansants? Les fleurs rockers! Et pourquoi pas les cupcakes volants? Ce n'est pas si mal. Mais votre nom doit être spécial et accrocheur. Quelque chose qui vous représente en tant que groupe. Hein? J'ai trouvé! The Tears? Je ne veux pas rater ça. Tu vas où comme ça? C'est leur nouveau groupe, The Tears. Alors, tu viens? Oh, j'en suis. Moi aussi. Ça va être génial. Regarde tous ces bébés. Notre groupe va être génial. Et ce n'est que le début. Eh bien, ok. Ce n'était pas une mauvaise idée de former un groupe après tout. Désolée de ne pas avoir cru en toi. Au contraire, tu nous as beaucoup aidés. Oh, ne commence pas avant le signal. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas terrible. Attends, tu vas voir. Lady, envoie la guitare. Super. Dottie, à la batterie. Génial, garde ce rythme. Et voici Connie, au piano. On y va. Ouais. Waouh, là, elle joue vraiment bien. À suivre. Ces cadeaux au monde Icy. Nous, on ne peut pas. On a des pâtisseries dans le four. Il y a une cuillère pour Tilo, un coussin pour Soru et une pierre fantaisie pour Phoebe. Ok? Salut, on retourne à nos pâtisseries. Bien sûr, on s'en occupe. Allons-y, Anna. Oh, le cadeau de Mia. Eh, il manque le cadeau de Mia. Oh non, elles sont parties. Faye, non! Ce sont des pierres magiques et elles sont très puissantes. Ouh. Allons-y! Super! Bien joué! Magnifique! Quelle grâce! Oh, sacré saut! Oh non! Je ne veux surtout pas que Faye tombe! Faisons une petite pause. Tenez, prenez des bonbons. Vous avez été brillants. Faye, est-ce que tu en veux aussi? Non, Faye. Tu vas avoir mal au ventre. Salut, on a des cadeaux pour vous. Des cadeaux? Oui, de la part des bébés de la vallée. Ces deux-là sont pour Soru et Tilo. Oh. Et celui-ci est pour toi, Phoebe. Waouh! Et moi alors? Je l'adore. C'est parfait pour m'asseoir pendant que je crée mes sculptures. Cette pierre est magnifique. Il y a quelque chose pour moi? Je ne sais pas. On s'occupe juste de la livraison. Oh. Est-ce que ça va, Mia? Les bébés de la vallée m'ont oubliée. C'est peut-être parce qu'ils n'aiment pas mon pouvoir. Mais pourtant, ton pouvoir est incroyable. Pourquoi je n'ai pas eu de cadeau? Hey, attends-moi ici. Mia, oh. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Un cadeau spécial pour un bébé très spécial. C'est un bracelet magique. Wow. Seulement pour les bébés. Il peut te rendre invisible, mais utilise-le seulement quand tu en as besoin. Merci, Phoebe. Je peux l'essayer un petit peu, s'il te plaît? Je ne sais pas. Si c'est juste un petit peu, ça devrait aller. Je vais l'essayer et le garder pour quand j'en aurai besoin, ok? Waouh! J'ai enfin mon pouvoir spécial! Waouh! Hourra! Mia, arrête ça! Quoi? Faye, le bracelet est juste pour les bébés. Ow. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Faye, ne fais pas ça! Stop! Arrête ça! Mon bracelet spécial! Mon snowboard! Veille!
Oh non, nos animaux sont invisibles. On doit les encercler. Soru et Tilo par la droite. Anna, Crystal et Stella par la gauche. Je t'ai eu. Non, c'est moi. Oups. Désolée. Et s'il reste comme ça pour toujours? Attends, je sais quoi faire. Waouh, Mia, c'est incroyable. Rexy, vous êtes vraiment des coquins. Faye, viens ici, arrête ça une fois pour toutes. Tu as été vilaine. Ne dis pas ça, elle veut seulement s'amuser. Il faut la comprendre. Et jouer, patiner ou avoir des bonbons, comme tout le monde. Mais j'ai peur qu'elle se blesse, je l'aime si fort. Faye, tu voulais juste t'amuser avec tes amis. Désolée. Maintenant, je te laisserai jouer plus souvent. Prends-le, je n'ai pas besoin d'être spéciale. J'aime mes pouvoirs. Les bébés, le cadeau de Mia, vous l'avez oublié. Je n'ai pas pu venir plus tôt car j'avais des pâtisseries au four. Wow, quel désastre. Pour moi? Waouh, des graines de la vallée. C'est pour que tu plantes de très jolies fleurs de la vallée. Merci beaucoup, j'adore. Ice World Magic Team. Waouh, il y en a beaucoup. J'espère qu'elles ne fondent pas. Dans ce froid? Hein? Je ne crois pas. Pourquoi personne ne vient manger de la glace? Je ne comprends pas, elles sont délicieuses. Et si on trouvait un moyen de les faire venir? Ouais. On fait semblant d'être malade? Ou on peut organiser une fête? Ou on fait plus de glace? Eh bien, peut-être pas, non. Tu m'as donné une idée, Betty. Et si on cachait une surprise à l'intérieur d'une glace? Une belle surprise. Oh, bien joué. Un ticket spécial. Tout à fait. Et toutes celles qui le trouvent auront la chance de visiter la fabrique. Bonne idée. Et elles pourront faire la glace qu'elles veulent. Ouais. Mais et si elles cassent quelque chose? Mais un seul bébé va entrer. C'est lui qui trouve le ticket. Et ce sont nos amis. Pourquoi elle casserait quelque chose? Tu as raison. Préparons ce ticket. Betty et moi, on s'en occupe. Ouais. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, il nous faut quelque chose de doré. Ton cookie, Betty. Betty. Oh. Waouh. Regarde, il est parfait et unique. En avant toutes. Le voici. Waouh, il est trop beau. Et il est unique. Prends-le, Betty, cache-le. C'est toi qui m'as donné l'idée. Mais fais attention, ok? Il ne faut surtout pas qu'on nous voit. Très bien, Betty. Il ne nous reste plus qu'à appeler les autres bébés. Je vais les appeler. Oui. Qui est-ce? Il y a un ticket gagnant caché dans une glace. Et celle qui le trouve pourra visiter la fabrique et faire sa propre glace. Oh, quoi? Ça, c'est pour moi. Oh, il n'y a personne. Ça ne marche pas. Wow, regardez toutes ces glaces. Je suis sûre que c'est celle-là. Je la veux. Moi. Vive les glaces. Hé, attendez un instant. N'oubliez pas que la gagnante doit se présenter avec le ticket d'or à la fabrique cet après-midi. Je suis si nerveuse. Qui a le ticket spécial? Moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Dreamy. La chance. Tu as gagné. Fais voir. Félicitations. Bienvenue à la fabrique de glace. Hey, j'ai trouvé le ticket spécial. Quoi? C'est le même ticket. Comment c'est possible? Il est unique. Je n'en ai fait qu'un, c'est promis. Je peux regarder?
J'ai le ticket. Non, c'est moi. Non, c'est moi. On va faire quoi alors? On va devoir les laisser entrer. Tout le monde? D'accord, mais on se mettra en rang pour rentrer. Et le plus important, il ne faut surtout pas toucher le bouton rouge. Jelly. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Ça suffit! Tout le monde dehors et vite! La fabrique ne marche plus! Mais on n'a rien touché! Et on a tout le ticket spécial! Mais je n'en ai fait qu'un! Comment est-ce possible? Attendez une minute! Pourquoi les jellies ont... l'imprimante? Oh! Les jellies! C'est de leur faute! Alors, est-ce qu'on peut faire notre glace? S'il te plaît! D'accord! Mais seulement si vous m'aidez à remettre la fabrique en marche. Trop génial! Je me suis bien amusée. Oui, on avait hâte que vous nous rendiez visite. Mais ça a tourné au désastre. On n'a pas eu de chance avec le ticket. Mais on a de la chance de vous avoir comme amie. On viendra vous rendre visite plus souvent. Et manger de la glace. Ce fruit est délicieux. Les bébés fantaisies vont l'adorer. Hey! Oh, Justin! Ce n'est pas le moment de manger. Dans le monde ici, il va y avoir une difficulté. Connie, pourquoi tu ne l'aides pas? Je suis sûre que Thilo cuisine. Attends-moi, Tina! Ça sent vraiment bon. Est-ce que tu as bientôt fini, Soru? Si tu n'arrêtes pas de bouger, je ne finirai jamais. Oh non, les bébés, je ne peux pas créer de cette façon. J'ai besoin de silence. Ok, s'il te plaît, je peux avoir de la soupe des dinos? Elle sera prête dans quelques heures. Oh, mais il n'y a vraiment rien à manger par ici. Eh bien, je vais mettre de la musique pour me concentrer. Phoebe, j'ai eu une vision. Quelque chose de grave va arriver. J'ai eu une prémonition. Et que va-t-il arriver? La vision n'était pas claire, mais je suis sûre que c'est du sérieux. Il n'y a plus de temps à perdre. Oh, le prince et la princesse! Je vais vérifier s'ils vont bien. Ok, je vais me concentrer pour comprendre ce qui va se passer. Oh non! Elle bouge encore! Pourquoi un bébé ne peut pas rester immobile? Elle est parfaite! Le meilleur modèle de tous les mondes! Concentration maximale! Ils ne sont pas encore mûrs. Tu ne peux pas en manger. Soru en a mangé un verre et a passé 3 jours à voler. Oh, quelque chose de grave va avoir lieu, ici dans ce lieu. Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger? Tu as envie de faire pipi? Attends un peu. Oups! Eh bien, ça ne sera pas long. Regarde son visage. La statue va être amusante. Oh non. Tu as raison, ils sont un peu acides. Ne les avale pas. Oh, quelle étrange sensation. Je me sens comme... Tu es en train de flotter. C'est trop cool. Prince, princesse. J'espère que c'est urgent, parce que j'étais justement en train de trier toutes mes tétines. Est-ce que ça va? Tina vient d'avoir une vision. Quelque chose de très grave va arriver. Avez-vous une idée? Les stalactites sont polies? Les portes verrouillées? Les animaux sont-ils soignés? Ouais!
Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Laisse-moi voir. Attends un peu. Est-ce que c'est Tina? Est-ce qu'elle a congelé? On dirait oui. Et Soru ne sait pas que si quelqu'un est congelé trop longtemps, il restera comme ça pour toujours. C'est ce que Tina a vu dans sa boule magique. Il faut l'aider. Attention, on ne sait pas combien de temps l'effet peut durer. Ne va pas trop haut. Attention de ne pas tomber. Enfin, mais il manque... Soru! Mon modèle. Non, Soru, attends. Tu dois décongeler Tina. Pourquoi elles me poursuivent? Aura, je suis comme les bébés fantasy. Hein? Soru, écoute-nous. Hey, 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 je crois que l'effet se dissipe. Attention, j'arrive. Merci, Bibi. Je suis désolée, Mia. J'aurais dû t'écouter. Merci de protéger mon modèle. Je vois que tu apprécies vraiment l'art. Il faut que tu décongèles Tina. Sinon, elle restera comme ça pour toujours. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? C'est exactement ce qu'on te disait. J'ai tellement froid. Désolée, Tina. Je voulais juste finir ma statue. Mais que s'est-il passé ici? La statue est surnaturelle. Elle est exceptionnelle. Merci, mais je sais qu'il manque quelque chose. Je suis sûre que la prochaine sera mieux. Maintenant, elle est parfaite. C'est joli. Je l'adore. Fais-en une pour moi. La soupe des dinos est prête. J'en veux. Moi d'abord. Ma statue. Je suis sûre que c'est ce que j'ai vu dans ma vision. Elle n'a rien remarqué du tout. Ma danse d'anniversaire. Regardez. Très bien. Maintenant, c'est à vous. C'est ça. C'est moyen. Oh, on a besoin de beaucoup d'entraînement. Est-ce que ça va? Hein? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Jolie couleur. Cette pomme a l'air délicieuse. Hein? Maintenant, on dirait une fraise. Et là, du raisin. Waouh! Un fruit surprise. Maintenant, c'est une poire. Regardez, un autre. Et un autre. Et un autre. Je sais, je vais faire de la glace aux fruits surprise pour mon anniversaire. C'est bien mieux que n'importe quelle danse. Excusez-moi. Waouh! Ça a le goût de banane. Waouh! Maintenant de framboise. C'est impossible. Fais voir, je veux goûter. Moi aussi. Banane. Pomme. Ça me plaît. Ouais, je viens juste de créer une glace surprise. C'est trop cool. Tout le monde va adorer. Je reviens tout de suite. Quel fruit as-tu utilisé? Celui que j'ai trouvé au lac. Ok, il nous en faut plus. Eh bien, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et je voulais en garder pour mon anniversaire. Waouh, c'est une très bonne idée. Hé, je suis là. Quelle est cette bonne idée? Grace veut mettre de côté le fruit surprise pour faire de la glace à sa fête d'anniversaire. C'est cool, hein? Oh oh. Je viens juste d'inviter tout le monde à venir la goûter. Mais il n'y aura plus de fruits surprise. On peut en faire quelques-unes avec ce fruit et le reste avec d'autres surprises comme... Des épices ou du salé. Ouais, super idée. Venez les bébés, faisons de la glace. Orange à l'huile. Banane au curry. Et qu'est-ce que je mets sur les fraises? Bien sûr, du sucre. Beaucoup de sucre.
Écoutez, écoutez, j'ai créé une glace surprise. Une glace surprise? Waouh, ça brille. Je n'avais jamais vu une glace comme celle-là. C'est une surprise, tu verras. Trop bon. Hé, ce n'est pas à la fraise, c'est à la poire. J'adore la poire. C'est vraiment bon, ça déchire. Hé, moi aussi j'en veux. Ouais, j'en veux une autre. Oh, mais je n'en ai plus. Hé, mais j'en ai aussi. Ouais. Elle est à quoi, celle-ci? Glace. Et il y a quoi dans celle-là? De la terre. Beurre. Délicieux. J'en veux encore. Hé, moi aussi j'en veux. On dirait que ça marche. Le goût de cette glace ne change pas, mais elle est délicieuse. Fais-moi voir. C'est très sucré. Qu'as-tu mis dedans? Il n'y a que des fraises et du sucre. Beaucoup de sucre. Mon ventre! Trop de sucre, c'est mauvais pour le ventre et les dents. Oh non, je ne savais pas. C'est juste que je n'avais que des fraises et du sucre. Oh, mon ventre! C'est un désastre! Les bébés sont malades à cause de moi! Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai un médicament pour les maux de ventre. Je le savais, le voilà. Regardez. Beurre! Oh! Je suis sûre que c'est dégoûtant. Personne ne voudra en boire. Si elles ne le boivent pas, elles n'iront pas mieux. Que peut-on faire? Et si on le mélangeait avec de la glace? C'est ça. On va faire une glace médicament pour les maux de ventre. Mais il n'en reste plus. Eh bien, nous avons le fruit surprise. Et ton anniversaire alors? Si mes amis sont malades, à quoi bon fêter mon anniversaire? Venez, allons aider les bébés. C'est parfait. Ah, ça marche. On est là et on a plein de glaces surprises. Non, on ne veut plus de glaces surprises. Vous allez voir, c'est bon pour vous. Hé, mon ventre ne me fait plus mal. Et ça a le goût de l'ananas. Et maintenant la framboise. La mienne était à la banane puis au melon. C'est la meilleure glace du monde. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise. Ouais. Château maudit. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Heureusement, tout est en place. Maintenant, seule la chose la plus importante reste à faire. Mettre le joyau du dragon en sécurité. Et voilà, c'est tellement difficile qu'aucun bébé ne pourra l'ouvrir. C'est parfait. Je ne veux pas qu'un joyau maudit gâche ma grande fête. C'est la fête! Finally, it's the castle party. Can't wait to meet the prince and princess. Everything has got to be perfect. We are so excited. It will be an amazing party. Everyone is going to be happy. It will be such a special day. It's time to celebrate. Celebration. Decorations. With the music and flowers, we're ready. Yeah! Castle party. Castle party. No, we got. Préparer une chorégraphie pour le prince et la princesse. C'est une très bonne idée. Allez, je vais vous aider. Pas celle-là, pas celle-là non plus. Celle-ci, la danse parfaite pour le prince et la princesse. La danse du dragon, elle n'est pas facile du tout. Et... Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ouais. Voyons voir. Tenez-vous la main. Ah. Pliez les genoux, tendez les genoux, retournez-vous. Cutie, Snowy, on doit répéter avec Crystal. Cette danse est très importante. Allez, joyeux. Ça sent tellement bon. Hein? Oh. Le discours du prince et de la princesse va commencer. On a réussi. Le prince et la princesse vont bientôt parler. On y va. Cutie, Snowy,
Où sont-ils passés? Allons-y, on n'a pas le temps. Ça va commencer. Cutie? Snowy? Oui. Bienvenue à la grande fête du prince et de la princesse. Cutie? Snowy? Ce petit bruit, c'est Cutie. Ils sont sûrement par ici. Regarde, ils sont là. Stop! C'est sûrement l'un des joyaux de Sky. Mettons-le en sécurité. Maintenant, on y va. Oh, c'était quoi? Tant pis, je ne veux pas rater la fête. Fais-moi voir. Hein? C'est trop cool! C'est un dragon, comme dans la danse du dragon. Hein? Oh oh. Wow. Oh oh. Ouais. Tu as vu Connie et Crystal? Elles ont préparé la plus cool des surprises pour le prince et la princesse. Mais où sont-elles passées? Oh, j'ai de la chance. Une autre pierre précieuse pour ma collection. Mais comment c'est possible? C'est moi. Arrête de m'imiter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Arrête de répéter la même chose. On doit prévenir les bébés. Hey, attendez. Vous allez où comme ça? Crystal, Connie, ne courez pas. Crystal, Connie, c'est moi, Connie. Hein? Je crois que je vois double. Hé, les bébés, je vous attendais, moi. Stop, Connie et Crystal. Mais lesquels? Stop, cette Connie et cette Crystal. Oh non, les statues. Elles ont l'air de bien s'amuser. Pas vrai, Nia? Prince et princesse. Vite, venez voir. Il y a deux Connie et deux Crystal. Quoi? On est là, les bébés. Que fait le joyau du dragon ici? Oh non! La malédiction du dragon! Quelle malédiction? Cela arrive quand un bébé qui n'est pas un prince ou une princesse touche le joyau. Mmh. Alors un bébé identique apparaît. On doit briser la malédiction. Mais comment? Il y a une chose que les clones ne peuvent pas faire. Et ça les fera disparaître. La danse du dragon. La danse du dragon? Mais c'est justement la danse surprise que Connie et Crystal ont préparée pour vous. Waouh! Encore une autre pierre précieuse! Super, vous avez réussi. La malédiction est levée. Il nous faut une nouvelle combinaison. Oh, quel magnifique joyau! Oh, il est parfait pour compléter ma collection. Oh non! Faisait quelque chose sans ananas pour changer. Mais la glace est bien meilleure avec de l'ananas. C'est meilleur avec du raisin. Pastèque ananas. Banane, raisin. Pastèque ananas. Banane, raisin. Pastèque ananas. Oh. Oups, quel désastre. Il faut décider qui est la responsable. C'est moi, je m'occupe de faire de la glace. Mais je veux être la responsable. Ok, laissons les bébés choisir la responsable de la fabrique. Ok. Relax. Les bébés, votez pour Pia. Qu'est-ce que tu fais, Pia? Pourquoi tu distribues des affiches avec ton visage? Pour que vous me choisissiez, moi, et pas Grace. Je vais être la responsable de la fabrique. Mais Grace veut aussi l'être. Donc il faut que les bébés en choisissent une. Une seule? Mais que fait la responsable au juste? Si on me choisit, je Salut, me voilà. Votez pour Grace. Voici l'autre candidate. Salut, Pia. Hé, j'ai une idée. Organisons un débat pour voir qui est la meilleure. Ok. Que la meilleure gagne. C'est moi. Non, c'est moi.
Aujourd'hui, on va décider qui est la responsable de la fabrique. Ouais. Allez, Doty, ça va commencer. Êtes-vous prête à poser des questions à nos amis? Si tu choisis Pia, appuie sur son visage pour voter pour elle. Mais si tu choisis Grace, appuie sur son visage pour voter pour elle. Hé, pas maintenant! Seulement quand vous serez satisfaite de leurs réponses. Oh, c'est un débat alors. On pose des questions et puis elles y répondent. La grande gagnante du débat sera celle qui aura le meilleur score. Prête? Mm-hmm. La première question est posée par Scarlett de Storyland. Quel est votre fruit congelé préféré? Ananas! Préféré? J'aime tous les fruits. Ok! Coalie demande depuis sa caravane, comment saurez-vous quelle glace nous aimons? Eh bien, je vais demander à tous les bébés quelle est leur glace préférée. Pourquoi choisir un parfum quand on peut tous les avoir? Moi, moi, moi! Vas-y, Crystal! Est-ce que vous pouvez faire une glace aux saveurs de la mer? Non. C'est trop salé. Bien sûr que oui. Si vous pouvez l'imaginer, je peux la créer. Il n'y a pas d'autres questions? Personne? Oui, moi. À la fabrique, parfois, il y a beaucoup de fruits qui finissent par pourrir. Alors, que proposez-vous pour éviter de gaspiller et de jeter les fruits? Oh! C'est une question très importante. Eh bien, on pourrait les donner à nos animaux. Et toi, Pia? On va utiliser le reste des fruits pour faire une glace spéciale avec toutes les saveurs. Une glace tutti frutti. Hourra! Quelle bonne idée! On dirait qu'on a déjà le score le plus élevé. La personne responsable de la fabrique de glace est... Pia! Ouais! Merci de m'avoir choisie. Et les filles, à partir de maintenant, je m'occupe de tout. Vous pouvez vous détendre. Encore de l'ananas? On doit aller à la fabrique pour parler à Pia. Oui. Oh non! C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Être la responsable, c'est trop dur. Je ne peux pas m'occuper de la fabrique toute seule. Oui, et en plus, on en a assez de l'ananas. Oui, vous avez raison. Mais je ne trouve pas de nouvelles idées. Nous, on peut t'aider. On redevient une équipe, s'il te plaît. Bien sûr, ne t'en fais pas. Magic Jill, Jerry! Bon, et maintenant les filles, réglons ça ensemble. Ouais, je m'occupe du nettoyage. Pia, on doit former une équipe. Oh, désolée. Dans le dernier épisode. Wow! Bienvenue dans le monde Ice. Ici, la glace fond, mais dans notre monde, tout est gelé. On va aller voir le prince et la princesse. On doit trouver une solution rapidement. Vous êtes prêts, les bébés? Ouais! La solution parfaite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On doit rester dans le froid. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce trou est très grand. Waouh! Vous aimez ça, hein? C'est une fosse magique très spéciale qui détient toute notre histoire. Waouh! Que s'est-il passé quand la météorite est tombée? On l'a gelée. En équipe! Waouh! Et qu'est-il arrivé aux robots? On les a déconnectés. En équipe! Et quand le bébé fantôme est apparu, on a crié et on s'est enfui. Ah. En équipe! Ok, ok, en équipe. Mais comment on ferme le trou pour garder le froid à l'intérieur? Avec une porte. Une porte? La faille est très grande. Alors la porte sera très grande. Oui, avec une énorme arche. Une porte qui s'ouvre et se ferme. Et une poignée. Waouh! Eh bien les bébés, prêts à travailler en équipe? Ouais, on est l'équipe numéro 1.
Et nous, l'équipe numéro 2. Équipe numéro 3. On va être super. Non, non. Voici les instructions. Vous devez toutes les lire. Les instructions ? Cool. Ensemble. Ah, je pense qu'elles n'ont pas compris qu'elles doivent travailler en équipe et non par équipe. Détends-toi, tout ira bien. Ah. Protect our world from the outside heat. And to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Est-ce que quelqu'un veut un peu de soupe des dinos pour booster son énergie? Ouais! Ouais, travailler en équipe, c'est très fatigant. Hé, ne nous oubliez pas! Mais d'abord, verrouillons la porte. Notre porte d'abord! Non, la nôtre d'abord. La nôtre sera plus belle. Oh, elle est très petite. Essayons la nôtre. Hein? Elle est encore trop petite. Je suis sûre que notre porte va... va être petite aussi. Ça ne marche pas. Elles sont trop petites. C'est trop dur. Je ne comprends pas. On a suivi les instructions pourtant. Vous l'avez très bien fait. Mais chaque page du manuel était pour une partie différente de la porte. Oh. Maintenant, il vous suffit de les rassembler. Savez-vous comment? En équipe. Et enfin, celle-ci va ici. Et maintenant, il ne manque plus que la touche finale. La poignée. La poignée, ce n'était pas dans les instructions. Oh, la poignée! Comment vous avez fait ça? Merci, vous nous avez sauvé la vie. Maintenant, on peut arrêter le froid. C'est la plus jolie porte que j'ai jamais vue. Et on l'a construite en équipe. Icy World Magic Tears. Waouh, trop cool! Les larmes de notre monde donnent la touche finale à nos créations. Elles les rendent parfaites. Le monde Icy est à nouveau plongé dans le froid. Cette porte va garder le froid à l'intérieur. Et petit à petit, tout redeviendra normal. Merci, oh, prince et princesse. Vous êtes nos sauveurs. We will build a door to keep the cold, and we will save our world. La patinoire est complètement gelée. C'est facile. Essayez ça. Pas maintenant, Betty. C'est délicieux. Ouais. Le monde fantasy retrouve sa couleur. Dans le dernier épisode. Et ce froid. Toute la baie Tutti Frutti est gelée. Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre. C'est notre ancienne maison. Allez, on s'active. C'est parti. Un trou dans un autre monde. Venez, c'est trop cool. Mais il fait froid là-bas. Me voilà. Wow, c'est formidable. Mon cœur bat la chamade. Tada. Allez les bébés, venez. Ton pyjama est génial, Tina. Oui, mais je ne vois rien du tout ici. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Il fait si sombre. Et il fait si froid. On est arrivé? Je sens la soupe des...
des dinos. Celle cuisinée par les dinos. Je l'adore. Ça y est, on est arrivé. Waouh. Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe? Quel pétrin! Il faut qu'on prenne les choses en main. Waouh! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina? Quel bel endroit! Et tout est gelé! Oui, c'est vrai, tout est gelé. Je me demande où ma cousine est passée. Cousine! Cousine Phoebe, viens par ici, ne te fais pas de soucis. Stella, tu es de retour! Et toi aussi, Dina? Oui, tu sais, on est inquiètes. Le froid du monde Haïti s'échappe dans notre monde. Nous aussi, on est inquiètes. Regardez, tout est en train de fondre ici. Ne vous en faites pas, on va régler ça ensemble. Moi, c'est Connie, et voici Trémy, Shana et Crystal. Je suis trop contente de vous rencontrer. Venez, je vais vous présenter à mes amis. Voici ma nouvelle création. Elle est trop cool. Tu ne trouves pas, Nichou? Hé, hey, Soru, on a de la visite. De la visite? Enchantée. Excusez-la. Vous savez, on n'a jamais de visite. Elle est très timide. Allons voir les autres. Tilo, on a de la visite. De la visite? Les filles, ça fait si longtemps. Qui sont vos amis? Je suis Connie, voici Crystal, Shana, Trémy. Voulez-vous de la soupe des dinos? Elle va vous réchauffer, bien qu'il ne fasse pas trop froid ici. Ça sent bon. Oui, ça sent bon et ça a encore meilleur goût. Délicieux! Puis-je en avoir plus? Quelqu'un a parlé de visite? Hein? Bonjour, bienvenue. Attention! Waouh, elles ont des pouvoirs. Oh. Oh, c'était mon cadeau de bienvenue. Bon, ok, pas de soucis. Désolée d'être partie si vite. Je suis allée mettre mon chouchou pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous. Allez, venez. La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant, mais c'est quand même super. Et c'est bien mieux. Oh. Ah. Waouh, comme c'est joli. J'adore patiner. Ah. Ça ne m'arrive jamais. C'est parce que la glace fond. Il y a un énorme trou et le froid s'échappe. C'est pour ça qu'on est venu. Ici, la glace fond, mais dans notre monde, tout est gelé. Ne t'inquiète pas, Soru, on va demander de l'aide. On ne peut plus laisser le froid s'échapper, sinon notre monde va fondre. On va aller voir le prince et la princesse. Ils savent tout. Et en plus, ils ont des yeux partout. Le prince et la princesse, où sont-ils? Là, dans le château. Waouh! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse. Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur? Waouh! Oh! Mais pourquoi elle salue les statues? Aucune idée. Mais où sont le prince et la princesse? Bienvenue dans le monde Haïti. Oh, Tina, Dina, Stella, je suis heureuse de vous revoir. Et vous aussi. Et oui, Connie, nous savons absolument tout. Oups. On sait que vous êtes venue ici parce que vous êtes inquiète pour le froid. La baie d'où tu viens? Danger. Silence. Stella? Le froid du monde Haïti s'échappe et gèle les autres mondes. Et notre monde va fondre. Le froid est en train de s'échapper. J'ai peur, mais je suis prête à y aller. Le trou est la cause de tout ce dérangement. On va faire de notre mieux pour le refermer, même si on ne sait pas encore comment. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut mettre fin au froid. On doit trouver une solution rapidement. Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours. Vous êtes prêts, les bébés? Ouais! À suivre. Ah! Oh!
attention, tu vas te mouiller. Waouh, mais le lac est gelé. Toute la baie Tutti Frutti est gelée. Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie Tutti Frutti. Waouh, regardez nos maisons, trop cool. Est-ce que ça se mange? Ah, ah, non. Ouch! Le lac des framboises est gelé. Et mon fruit. Et mon chrysme aussi, aussi. Tout est gelé. Je suis froid. Vous croyez que les fantaisies, on peut faire ça avec leur pouvoir? Je suis là. Incroyable. Tout est gelé. Et il fait tellement froid. La maison est trop cool. J'aime quand la baie Tutti Frutti est gelée. Oui, mais il fait trop froid. Mais vous en faites pas, les bébés. J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous. Hé, hey, qui es-tu? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Préoccupe-toi plutôt de ça. Hein? C'est qui ce bébé? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelées. On joue au chat pour se réchauffer. La baie Tutti Frutti est gelée. Gelée? Comment c'est possible? Il fait si froid ici aussi. Ah, encore toi? Mais qui es-tu au juste? Je suis Shana et je vous présente Shai. Shana sait tout et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina. Je peux vous dire que ce froid est bien installé. Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi. Ouais! Oh mon dieu, Kira! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps. Et les commandes continuent d'arriver. Eh bien, il devrait m'en faire très froid. Kira, donne-moi une bouteille chaude. Cette nuit va être très longue. Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver. Psst, approchez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je sais d'où vient ce froid. Ça vient du grand arbre fantaisie. Tu as inventé tout ça. Le froid sort du congélateur. Elle a raison. Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours. Ou peut-être pas. Shana a raison. Tina a vu un trou à travers lequel le froid s'échappe. C'est très grand. Oh! Mais pourquoi le froid s'échappe? Je ne comprends pas. Shana? Shana? Ça ne marche pas. On doit se lever et le réparer. Mais je peux à peine bouger avec ce froid. Salut, je suis de retour. Hein? Encore toi? Mais qui es-tu? Désolée, j'étais un peu pressée. Moi, c'est Shana. Voici vos nouveaux pyjamas. Enchantée! Donne-moi un pyjama! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid. Merci, Shana. Génial! Ça marche! Et maintenant, faisons du dry juice. Raisin, ananas, pastèque et fraises. Le mélange parfait pour un cream juice. Mais le fruit est gelé. Voyons voir. Je suis sûre que ce n'est pas si mal. On ne peut pas faire du cream juice comme ça. Oh non. Si on ne peut pas faire de cream juice, on va devoir fermer la fabrique. Non. Je veux faire du cream juice. Je ne veux pas que faire du collé à ma langue. Tiens, essaye ça. Du lait avec des fruits, ça ressemble à de la glace. Des glaces Tutti Frutti. On va faire les meilleures glaces du monde. Merci, Shana. Shana, elle est passée où? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre. C'est notre ancienne maison. Allez, il faut s'activer. Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer. C'est parti! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid. Nous, les bébésors, on est habitués au froid. Shana! Je suis là. J'ai quelque chose pour vous. Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy et celui-là pour Crystal. Déshabillé! Il fait si chaud! Et vous êtes superbe! Merci, Shana! Shana? Et il y a encore des bébés là-bas? C'est si loin? Il y a combien de monde? Tu te poses beaucoup de questions. Tu trouveras les réponses là-bas à suivre. Cry babies, magic
j'ai fait du parfum. Je suis déjà là. J'ai les bouteilles. Je viens de les laver pour que l'odeur des fleurs reste aussi pure que possible. Tu es si drôle, Lava. Vraiment? Alors attends de voir ce que je peux faire. Wow. C'est hilarant. Flowers Magic Tears. Wow. Dépêche-toi de capturer le parfum des fleurs. Arôme de barbapapa à la fraise. Je vais créer un parfum très spécial avec ça. Et si on organisait un marché spécial pour les bébés? Je vais tout préparer. Je vais faire une pancarte pleine de fleurs. Elles ne vont pas s'ennuyer avec moi. Ça sent si bon. Oh, salut Rose, qu'est-ce que tu fais? Salut, je prépare un parfum très spécial. Un parfum spécial? Ouais, tu verras. Je vais t'aider. On va t'aider aussi. Non. Vous feriez mieux d'aider à préparer le marché. Je suis la seule qui peut faire ça. Où en étais-je? Oh oui. Un petit peu de parfum de melon, du sourire de Marguerite. Ça sent si bon. Et bien sûr, un peu de barbapapa à la fraise. Ce parfum est très spécial. Il améliore tes compétences. Tu vas vraiment les impressionner. Wow. Mila est une vraie bricoleuse. Et Sophia est si ordonnée. Et Anna, tu es super drôle. Le voici, le nouveau parfum spécial. En plus d'une odeur phénoménale, il améliore les compétences. J'en veux. Moi aussi. J'en veux aussi. Oups, il n'y en a plus. Je n'en ai pas fait assez. Mais ne vous en faites pas, je vais en faire plus. Attention, Rose! Waouh, quel joli marché! Salut les bébés! Rose a créé un parfum spécial qui améliore nos compétences. Mais comme il n'y en avait plus, elle est partie pour en faire plus. Trop cool! On en veut aussi! Comme c'est étrange, Mila est très maladroite. J'adore mettre le désordre. On ne sait pas ce qui cloche chez elle, mais je pense qu'on ferait mieux de partir. Non, ne partez pas. Regardez, Ava est trop drôle. Ava, est-ce que tout va bien? Les bébés, j'ai besoin de votre aide. J'ai fait une erreur. On dirait que le parfum a exactement l'effet contraire. Et je ne suis plus la meilleure pour fabriquer des parfums. Maintenant, je comprends pourquoi Ava, Mila et Sophia se comportent de cette façon. Vive le désordre. Alors, comment tu vas arranger ça? Eh bien, je ne sais pas du tout. On va t'aider. Non. Je suis une spécialiste du parfum. Je vais bien trouver quelque chose. Rose! Ok. Ne t'inquiète pas, c'est juste de la science. Mais, c'est si facile. Je vais l'appeler Fleur de la Passion. Ah, ça brûle! De l'eau! Ok, fais celui-là. C'est fleur de melon. Oups. Celui-ci va fonctionner. Parfum de princesse. Hein? Eh bien, oui, princesse grenouille. Tu sais, faire des parfums, c'est bien plus que juste mélanger des arômes et chaque bébé a son propre. Mais maintenant, j'ai perdu l'inspiration. Ne dis pas ça. On n'a peut-être pas ton talent. Ok, on n'est peut-être pas les meilleurs pour fabriquer des parfums, mais on n'abandonne jamais une amie. Rose, tu utilises quels ingrédients pour améliorer tes compétences? Eh bien, du parfum de lavande, de vigne et de rose. Il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, je sais, c'est l'arôme de barbapapa à la fraise. Je suis encore une génie du parfum. Vite, préparons-en plus pour Mila, Ava et Sophia. Ouais. Quel désordre. Mais comment c'est possible? Ne vous inquiétez pas, on a trouvé la solution. Hein? Que s'est-il passé? Quelle pagaille. Je vais régler ça en un clin d'œil. Tu es drôle. Les bébés, regardez, ces parfums sont pour vous. Vous êtes les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Merci, Rose. Hé, hey, regardez-moi.
C'est ton vaccin annuel. Et maintenant, il est temps de se détendre. Oh, bien sûr. Il est où le cookie? Bonne pioche. Comme mon petit chien est intelligent. Toutou Rockabye, tout en haut de l'arbre. Aujourd'hui, c'est ton vaccin annuel. On ne veut pas de puce, pas vrai? Spot, reviens! Spot, ça nous fait pas mal! Prends notre cookie! Hein? Attends une minute! Que fait cette brindille ici? Ce n'est pas bon pour les fleurs. Après, le parfum n'est pas bon non plus. Problème résolu! Hein? Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est un petit chien! Et une grosse bosse. On va bien s'occuper de toi. On le garde. On doit te trouver un nom. Mais lequel? Kiwi? Piti? Mimi? Je sais! Bumpy! Spot! Spot! Ne t'en fais pas, Doty. Je suis sûre qu'il reviendra. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut aider Doty. Attendez! Ce ne sont pas les cookies de Spot? Regarde! La piste de cookies mène à la forêt de Barbapapa. Oh non! Pauvre Spot! Il va avoir si peur! On s'amuse tellement avec Bumpy! Salut, je suis déjà là! C'est Rose! Je suis sûre qu'elle apporte des nouveaux parfums! Allons voir ça! Ouf! Il fait si chaud dans la baie Tutti Frutti! Ah! Tu penses à ce que je pense? Oh. Cry Smoothies! Mais on doit retrouver Spot! Ah, je vais devoir continuer toute seule! Spot! Spot! Où te caches-tu? Alors, je suppose que tu es Bumpy. J'ai un parfum pour toi. Celui-là. Avec des rayons dorés, car tu brilles comme le soleil. Exactement. Des fleurs d'amour, car tu es adorable et mignon et doux rêve. C'est incroyable! Tu connais toutes les fleurs! Tu serais vraiment d'une grande aide pour fabriquer des parfums. Bon garçon, Bumpy! Tu as un nez incroyable! On va créer des millions de parfums! Hein? Spot? Vite! Prévenez Connie et Bruni! Spot est ici! Spot! Spot! Regarde comme il est bon! Tu es si mignon, Bumpy! C'est qui ce bébé? Et qu'est-ce qu'elle a fait à Spot? Et pourquoi elle l'a appelé Bumpy? Salut! Désolée, mais je pense que tu te trompes. Je suis Doty et c'est mon chien. Et son nom est Spot. Viens ici, Spot. Viens avec moi. On doit rentrer à la maison. Salut! Moi, c'est Mila. Ce n'est pas Spot. C'est Bumpy. On l'a trouvé seul dans la forêt. Alors, il reste avec nous. Mais de quoi tu parles? Il s'appelle Spot et il est plutôt bizarre. Je suis sûre que quelque chose lui est arrivé. Allez, Spot, tu as sûrement de la fièvre. Il s'est enfui parce que c'est le jour de son vaccin et il n'aime pas ça. Eh bien, il semble être heureux ici. Il passe son temps à renifler les fleurs. Oui, il a un très bon odorat. Et c'est un très bon ami aussi. Mon meilleur ami. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, et il m'aime aussi. Spot doit sûrement avoir un problème. Bumpy! Mais pourquoi tu l'appelles Bumpy? Parce que quand on l'a trouvé, il avait une bosse. C'est ça. Il a perdu la mémoire à cause du choc qu'il a reçu. Peut-être que si vous faites quelque chose que vous faisiez ensemble, il va se rappeler de toi. Allez, Bumpy, joue avec Doty. Elle est cool. Ah, le cookie. Allez, Spot. Il est où le cookie? Mais ne t'en va pas. Tu es nerveux, Spot? Toutou Rockabye, tout en haut de l'arbre. Allez, Spot, souviens-toi. Je t'aime de tout mon cœur. Tu m'as tellement manqué, Spot. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bien sûr. Tiens, un autre cookie. Tu aimes vraiment ça, hein? Merci beaucoup d'avoir pris soin de Spot. Surtout toi, Mila. On viendra vous voir dans la forêt de coton et on jouera ensemble, d'accord? Au revoir, Bumpy. Prends soin de toi. Flowers Magic Tears. Tiens, Doty, des parfums pour tes amis. Oh, merci beaucoup. Je vais les ranger dans ma valise. Ouf, il y a trop de choses. Je n'ai pas assez de place. Ça dehors, ça dehors, ça... Attends, Spot! Regarde, Doty, c'est Spot! Hi, Mr.
J'aimerais tellement rencontrer les bébés qui les fabriquent. Non. Lady est venue dans la forêt de Barbapapa à la recherche de son parfum. Désolée, père. On n'a plus une goutte de parfum à la maison. Là, elle a rencontré Sophia, une fleur heureuse avec un petit problème d'organisation. Ça ne m'est jamais arrivé. Ensemble, on va y arriver. Les parfums de la forêt de Barbapapa, deuxième partie. Quelle est ton idée pour réorganiser cet endroit? On va mettre en place une chaîne de montage. Une chaîne de montage? Oui. On va toutes faire quelque chose. Comme ça, on finira plus tôt. Ouais. Merci de m'avoir aidée. Donc, tu peux me faire visiter la forêt de Barbapapa. Bonne idée. Il faut juste s'assurer que chaque bébé a le bon parfum et coller l'étiquette. Je prends la liste des commandes. Je vais sentir le parfum de chaque bébé. Moi, je m'occupe de coller les étiquettes. On va finir très vite. Ouais. Lady, Dreamy, vous êtes prêtes? Le premier est pour Angie. Parfum à l'orange étoilé. Lavande violette. Nuage rose. Orange étoilé. C'est fait. Au suivant. On range cet espace. Tout va à sa place. Tima, parfum de poésie. Santé, santé, ça sent si bon. Allez, vite, parfum pour Tina. Pour Tina, je vais coller l'étiquette. Trop cool. On va vite faire la tournée de la forêt de Barbapapa. Notre chaîne de montage fonctionne très bien. Pour Doty, parfum aux fraises sucrées. Oh, attends. Non, c'était pour Ella. Non, marguerite tropicale. Marguerite alors. Parfum à la marguerite pour Ella. Ella? Doty. Doty ou Ella? Marguerite étoilée pour Ella. Je suis étourdie. Ça sent la même chose. Lady, Narvi, Fancy, Daisy. Saviez-vous que la crème glacée préférée d'Ella, c'est la banane? Mais elle ne veut pas le dire à Nana. Tu as dit Nana? Nana ou Lala? Non, eh bien Nana. On a réussi! Ouais! Mais quoi? Est-ce que je dois vraiment livrer tout ça? Oui! Et regarde comme tu t'es bien rangée. oui, ça a l'air très bien rangé. Ok, d'accord. J'y vais alors. Tu veux un petit coup de main? Super! Maintenant, tu peux me faire visiter la forêt de Barbapapa. Hein? Avec les étiquettes. Du coup, les bébés ont reçu les mauvais parfums. Et je suis tellement épuisée. On est désolés. On l'a fait tellement vite qu'on a fait n'importe quoi. J'avais trop hâte d'aller voir la forêt de Barbapapa. C'est un endroit si spécial. Et vous êtes tellement cool. On n'a pas fait assez attention, mais cela ne se reproduira pas. Vous nous pardonnez? Bien sûr. On est amis. Flowers Magic Team. Aucune erreur cette fois. En avant tous. Avec tant de commandes, il faut vraiment faire attention. La dernière. On va s'en occuper. Il est temps de te reposer. Lulu et Rim vont t'emmener à la plage. Un colis pour Angie. Un colis pour Ella. Je suis là. Et pour Connie. Génial! On a déjà fini! On a réussi à livrer toutes les commandes à temps. Tout s'est très bien passé. Oh, merci beaucoup les bébés. Si vous avez encore autant de commandes, vous savez quoi faire. Appelez-nous. Ouais. Ensemble, on forme une équipe parfaite. Enfin, je vais pouvoir sentir mon parfum. Hein? Il est où? Hein? Lulu! Je vais t'attraper.
magique, plein de super aventures. Hi babies, happy flowers. Les parfums de la forêt de Barba Papa, première partie. J'adore ce parfum. J'aimerais trop rencontrer les bébés qui le fabriquent. Je suis désolée, Lulu, mais il ne reste qu'une seule goutte. Et... Ce qui s'est passé doit être horrible parce que ce cri était terrible. Lulu a pris la dernière goutte de mon parfum. Je sais ce que tu ressens, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave que ça. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais ça sent si bon. Et tu peux aussi le commander en ligne. Tu seras livré d'une minute à l'autre. Oui, j'ai passé une commande. Ça ne devrait plus trop tarder. Oh, le voilà! Je suis sûre que c'est mon parfum. Et le mien aussi. Et le mien aussi. Et le mien? Oh! Hé! Hey, tu as oublié le mien! Ma commande n'est pas arrivée! Oh! Mon parfum! Je crois bien qu'on m'a oublié! Si le mystère tu veux percer, la forêt de Barba Papa, tu dois traverser. Mais c'est beaucoup trop loin! La forêt de Barba Papa? Tu sais comment aller là-bas? Emmène-moi! 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 Aïe! S'il te plaît, s'il te plaît! Ok, ok. On va aller à la forêt de Barba Papa, mais tu ferais mieux de bien te préparer parce que c'est un très long voyage. Prête? Ça y est, nous y voilà. Ça sent si bon. J'adore ça. Les arbres, les fleurs, ça sent tellement bon. On a de la visite. Qui es-tu? Moi, c'est Ava. Tu es venue nous rendre visite? Tu vis ici? Et d'où est-ce que tu viens? Tu fabriques des parfums? À quoi servent tes antennes? Ok, ok, Ava. Voici Lady et Lulu. Moi, c'est Dreamy et Lucérine. Ravie de te rencontrer. J'adore tes parfums. C'est fantastique. La forêt de Barba Papa est un endroit incroyable. C'est trop cool que vous soyez là. Retrouvons les autres. Elles vont être trop contentes. On a de la visite. Lady et Dreamy avec Lulu et Rim. Moi, c'est Mila. Enchantée. Quelle jolie maison. Et la serre est géniale. Et ça sent si bon. J'adore ça. Tu sais, elle adore les parfums. Et comment vous fabriquez les parfums? Mon parfum? Oh, c'est facile. Quand tu... À l'aide. Plus de freins. Oh, c'est toujours pareil. Elle va t'écraser. Ce n'est pas la première fois. Rose, est-ce que ça va? Je vais bien. Hein? Tout va bien. Ne t'inquiète pas, Rose. Oups, vous savez, rien ne peut m'arrêter. Flower Magic Tear. Wow! Rose est une maître parfumeuse. Voilà comment on fabrique les parfums. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Rose sauvage avec une petite touche de coton arc-en-ciel. Jasmin à l'essence de vanille. Wow! L'arôme produit par les fleurs est l'essence la plus pure des parfums. Si une goutte tombe sur toi, tu garderas cette odeur pour toujours. C'est pourquoi vous devez savoir comment les mélanger. Créons un parfum aux fleurs sauvages du printemps. On en a assez pour plusieurs bouteilles. Génial! Je vais t'aider. Lulu! Désolée, on n'a plus une goutte de parfum à la maison. La commande n'est jamais arrivée. Oh oh, c'est le travail de Sophia. Et aujourd'hui, elle n'est pas de bonne humeur. Tout va mal. Absolument tout. Sophia, on a de la visite. Salut. Désolée pour le désordre. Je ne suis pas toujours comme ça. D'habitude, tout est bien rangé. Mais aujourd'hui, j'ai confondu la liste des parfums avec celle des cadeaux spéciaux. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais il y a tellement de commandes. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Bien sûr, j'ai une excellente idée. Ensemble, on va y arriver. À suivre.